Bonjour chers amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Bonjour Monsieur Livry. Bonjour chères spectatrices et chers spectateurs. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Nous sommes en Suisse, je suis allé à la rencontre Dr Livry. Nous allons commencer par présenter le Dr Livry et ensuite nous allons lui poser des questions sur l'actualité et aussi sur son travail en tant que scientifique et docteur en littérature, c'est ça, docteur en lettres? En littérature générale comparée, donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat avec Patrick Quillet à l'université de Nice-Sophia Antipolis, université où j'avais enseigné, après avoir enseigné à Paris 4 Sorbonne. Bon, je m'excuse devant vos spectateurs de mon accent. En effet, depuis 2012, je ne parle presque plus le français, oui. Ni dans le cadre familial, ni dans le cadre civique, ni dans le cadre professionnel. Donc, oui. C'est seulement à rare occasion de rencontre pareille que je peux pratiquer cette belle langue. Combien parlez-vous de langue? Je pratique dans mon quotidien. Oui. L'allemand, le suisse-allemand, le suédois, l'anglais, le russe et bon, je lis la belle langue italienne naturellement, oui. Et les trois langues anciennes, c'est-à-dire le grec ancien, le latin et l'hébreu, et quelques lectures en sanskrit grâce à mes cours à l'école pratique de haute étude pendant 4 ans. À cette époque, on pouvait encore étudier les textes dits ariens, mm-hmm. au premier étage de Paris 4 Sorbonne à l'école pratique de études. Je ne pense pas que ce professeur a un droit d'enseigner encore. Et dans la mesure où je maîtrise le suédois, j'avais appris donc, tout à fait logiquement, parlant avec des gens, à savoir le danois, le bokmål, c'est-à-dire la langue littéraire de Norvège. Après, oui. Je me suis mis à l'islandais afin d'accéder au EDDA, oui. Sans trop de traduction française faite par le professeur Bergman de Strasbourg. Oui, vous estimez que la traduction française de l'EDDA n'est pas correcte? Elle est correcte, mais effectivement, on découvre beaucoup d'étymologies propre à ce texte quand on lit les textes dans leur version originale. Oui. Par exemple, dans un texte, on tombe sur la dénomination des fleuves qui mènent, oui. en enfer, et c'est le nom des vines. Et effectivement, il y a les spécialistes scandinaves, non traduits en français, donc en anglais, qui demandent si c'est la Dvina, qui est donc la Daugava, fleuve letton, et oui. est-ce que ce serait pas le fleuve sur lequel les Vikings ont passé sur la Dvina vers la Russie, est-ce que ça ne conformerait pas la théorie normande, etc. Toutes ces nuances, naturellement, on retrouve exclusivement oui. à la lecture des textes en version originale, ce qui se fait de moins en moins dans les universités européennes, malheureusement. Alors, vous êtes né en Union soviétique, si je ne oui. me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a conduit en France, initialement? Cette question, on me pose souvent. C'est peut-être moi qui va foncer le premier, puisque ça va être assez drôle de dire à des nationalistes européens pour lesquels vous m'interrogez, en grande partie, mais pourquoi pas seulement pour eux. Je suis d'origine juive et effectivement, j'ai quitté l'Union soviétique. On peut dire pas à cause d'une forme d'antisémitisme, ça existait quand même, mais c'est à cause d'un pays antiraciste. Puisque le plus grand problème de l'Union soviétique, c'était ce qu'on rencontre actuellement en Occident post-chrétien, à savoir l'antiracisme. C'est-à-dire qu'il y avait une version de l'antiracisme officiel que la Constitution française, naturellement celle de Staline de 1936, la plus libre du monde, a proclamé encore une fois et encore une fois la liberté de
tous les peuples de l'Union soviétique contre eux. Et puis, une fois, on avait bien applaudi chaque fois lors des meetings officiels cette doctrine antiraciste soviétique qui est pleinement acceptée naturellement en Occident, ce que nous vivons oui. actuellement, c'est l'antiracisme trotskiste pratiqué sous Staline. Voilà. Eh bien, on se confrontait à ce qu'on appelle via la belle Allemagne qui se trouve juste à côté, ou multiculturalisme, je déteste ces termes naturellement, ça veut rien dire, oui. mais on se confrontait à multiculturalisme, ce qui est la haine multiple de tous contre tous. Et le plus grand problème de l'Union soviétique, hormis quelques difficultés économiques, hormis l'idéologie même du socialisme international, à ne pas confondre avec le socialisme national, qui ne peut pas fonctionner, eh bien, c'était la haine de toutes les ethnies contre toutes les ethnies. Et on me pose souvent cette question, pourquoi je suis venu en Occident oui. et pourquoi par la suite, par nolens volens, je suis devenu nationaliste occidental. Le seul bien durable de l'Europe occidentale, mm-hmm. c'était l'existence de peuples uni-ethniques. Oui. Ce n'est plus le cas, naturellement, mais il y avait, par exemple, une culture suédoise oui. faite par des peuples nordiques, purement nordiques, et qui perdurait pendant des siècles et des siècles. Oui. Idem pour l'Allemagne de l'Ouest, idem pour l'Allemagne de l'Est, naturellement, qui était mieux préservée grâce à un chape de plomb soviétique, je veux dire l'occupation de l'armée rouge, oui. pour bien dire les choses. Mais, et ainsi jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'au Luxembourg, jusqu'à la Suisse allemandique, jusqu'à l'Autriche, oui. tous ces pays était monoethnique, et c'était, on va peut-être le comprendre plusieurs décennies plus tard, c'était leur unique richesse, leur unique capital que ces pays, ces États occidentaux monoethniques pouvaient continuer. Et en fait, de facto, je le comprends actuellement, quand j'ai quitté l'Union soviétique, c'est-à-dire cet empire optimiste, antiraciste et égalitariste, je suis venu chercher à m'assimiler et non pas à m'intégrer ou à rejoindre une communauté quelconque, m'assimiler à un peuple blanc. Et dans la mesure où il existait peut-être dans les années 80, c'est-à-dire dans mes rêves, une culture française qui est une culture faite de mélange de Germains et de Celtes mm-hmm. et de Latins, puisque la France est à l'origine un pays germain, comme son nom l'indique. Eh bien, je suis venu en quelque sorte chercher une atmosphère monoethnique oui. De la plus haute civilisation, si je peux paraphraser Maurice Barrès. Je suis ému parce que vous dites, parce que je me rends compte de à quel point la France a rayonné et a signifié quelque chose de grand pour beaucoup de peuples à travers le monde. Et en fait, très tôt dans votre parcours, vous avez eu l'intuition de la gravité du métissage potentiel et de la destruction des peuples européens. Ce que vous venez de dire est très juste. Si on prend l'exemple de l'Italie, finalement, quelle est la force de l'Italie, sinon son peuple? On ne peut pas dire qu'il y a énormément de matières premières, on ne peut pas dire que c'est un grand territoire, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de richesses, etc. Finalement, pour beaucoup de pays européens, si on soustrait de l'équation la qualité du peuple, il ne reste plus rien. C'est terrible. C'est terrible quand on sait ce qu'est l'Europe et tout ce que ça a fait. Tout à fait. Ne l'oublions pas que peut-être hormis l'Italie et quelques mm-hmm. autres pays méridionaux, l'Europe est originellement un pays assez pauvre, n'est-ce pas?
Cette richesse qui est fabriquée et qui était fabriquée à de labeur de l'investissement de plusieurs générations est un phénomène assez récent. Donc, en fait, je ne suis pas venu chercher en Occident et en France un paradis financier, non. Oui. De plus, à l'époque, étant anticommuniste primaire, j'étais déchu de ma nationalité soviétique. Je partais avec un certificat d'apatride de l'URSS, c'est-à-dire avec oui. cette forme de document, on pouvait aller dans n'importe quel autre pays. Et je vous assure que je savais déjà que la République française numéro 5, ce n'est pas un pays le plus riche du oui. monde. À cette époque, il existait naturellement les États-Unis d'Amérique qui, à l'époque, était un véritable paradis. C'est seulement depuis les années 2000 ou un peu plus tard oui. que genre les prix ou les loyers ont quadruplé et les salaires ont augmenté seulement d'une fois et demie. Donc actuellement, si vous voulez louer un appartement à Los Angeles... Oui, il faut beaucoup d'argent. C'est quatre fois le studio du 16e arrondissement à Paris. Mais à l'époque, j'avais naturellement avec ce document d'apatride soviétique aller effectivement aux États-Unis. Non, pour moi, venir en France, ce fut un choix oui. Civilisationnel, culturel et naturellement, la grande échéance, par la suite, naturellement, je oui. me suis tourné vers l'université française, pensant que celle-là, ce serait le havre de culture et de beauté. Mais non. En fait, vous êtes venu chercher en France la profondeur intellectuelle qu'on connaît dans le patrimoine français, notamment littéraire, philosophique, etc. Mais vous êtes rendu compte que il y avait également, la France était également prisonnière d'une idéologie, et ça, vous en êtes rendu compte lorsque vous avez travaillé à l'université. Oui, lorsque j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne, oui, je vis en quelque sorte l'envers du décor, hein, c'est-à-dire que l'université française est gérée par des personnes psychiques, l'ensemble quasi de l'université française est gérée par des personnes psychiquement plus stables, par de cancres et leurs prostituées assez bon marché, et on offre en quelque sorte les postes du fonctionnariat, non pas pour vos découvertes scientifiques, mais plutôt au contraire, vous devez entrer dans un troupeau oui. et mettre de temps en temps les meuglements qu'on attend de vous et ainsi avancer votre carrière. Puis vous salissez dans les actes assez immondes et vous arrivez au bout de votre carrière et vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Mm-hmm. Mais malheureusement, l'université française continue à vendre cette coquille vide oui. qu'on appelle la science française. J'ai commis quelques articles critiques, notamment envers les membres de l'Institut de France, par exemple, qui peuvent travailler sur le Каменный гость, le convive de pierre de Pouchkine, sans connaître même pas l'alphabet cyrillique, et dont l'ensemble des travaux, ce sont les pages de Wikipédia un peu élargies, ou qui se disent agrégés des lettres classiques, mais qui méconnaissent l'œuvre de Homère. Et si on leur pose, par exemple, des questions directes, ils ne savent même pas décrire, se situer dans l'œuvre homérique, et ainsi de suite. Et effectivement, je vous parle seulement de ceux qui ont été propulsés à l'Institut de France. Oui, vous parlez de l'Institut français qui, à l'image de l'Alliance française, par exemple, a fait apprendre le français à l'étranger. Vous non, je parle de l'Académie française. Ah, l'Académie, d'accord. L'Académie française. J'ai compris, d'accord. On appelle l'Institut de France. D'accord. Ce sont les 40 dits immortels, n'est-ce pas, avec Simon Veil, pas oui. la feu, donc pas la grande, mais la grosse, oui. qui était panthéonisée récemment oui. avec son époux pour les grands faits oui. des avortements, n'est-ce pas, et en France. Mais...
Non, j'ai parlé de la Suisse. C'était l'Académie française créée par Richelieu a été élargie, c'est-à-dire actuellement, ce qui se disent les académiciens, ce sont les anciens fonctionnaires de l'université française qui entrent ce qu'on appelle l'Institut de France et qui siègent là-bas avec le titre de d'académiciens qui viennent par la suite ici en Suisse pour pomper un peu de quelques centaines de milliers de francs grâce à quelques centaines de milliers de dollars pour vous faire l'équivalent de francs suisses et de dollars pour détourner les fortunes suisses. C'est également, je continue naturellement mes travaux scientifiques qui sont publiés à travers les universités en Europe, mais naturellement plus en France. Mais effectivement, un de mes rôles principaux, c'est de bloquer toutes sortes de subsides qui sont exigés avec des cris de plus en plus stridents par les envoyés de l'oligarchie française ici en Suisse. Nous allons y revenir sur ce sujet qui est très important. Si je résume, c'est que vous avez été en fait déçu par l'incompétence en réalité. Vous faisiez une haute idée de l'élite intellectuelle française et vous avez vu que même à l'Académie française, il y avait des défaillances, un manque de connaissances, un manque de travail. Ça, c'est le premier point. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui, dans vos travaux, qu'est-ce qui, dans l'angle que vous choisissiez pour notamment étudier Nietzsche, qu'est-ce qui a déplu aux universités françaises? En fait, ce qu'on fait de Nietzsche, c'est on est là à Bâle, dans la ville de Nietzsche. C'est-à-dire, il n'est pas né ici, mais il est venu ici pour enseigner dans l'université de Bâle, dans le pédagogium de Bâle. C'est une espèce de l'école technique. Et par la suite, il avait intégré l'université de Bâle. Oui, on pratique. Nietzsche, c'est seulement une espèce d'échantillon. Mm-hmm. On ne lit plus des textes dans leur version originale. Les slavistes ne peuvent plus lire les textes russes qu'ils font trois fautes par ligne quand ils s'expriment lorsque les négros, les nègres littéraires. Oui, bien sûr, les plus mitifs. Voilà, c'est voilà. Ne les corrigent pas. Voilà. Les textes, même les germanistes, ceux qui savent s'exprimer avec une caissière de supermarché quelque part à Düsseldorf, ils n'osent pas lire Nietzsche, ils n'osent pas, les hellénistes n'osent pas lire Homère. Oui. Je me souviens encore, il y a quelques semaines, on m'a envoyé, parce qu'on m'envoie énormément d'informations depuis Paris, une émission de France Culture, où des chiens de garde qui dirigent l'université française poussent à une idée que Homère serait une femme. Et donc, on avait appelé un helléniste français, un professeur émérite de l'université française, qui est là et qui n'a pas dit que c'est une ânerie, pas possible. Je veux dire, on connaît par exemple la poésie sapphique, voilà, une femme d'une aristocratie de l'île de Lesbos, elle parle des filles, des garçons, naturellement, mais elle vous parle également de la mort. Thanatos, c'est le plus grand sujet de la poésie de Sappho. Eh bien, là, c'est une femme. Oh, d'accord, c'est une femme qui donc s'est rêverie, d'accord. Mais Homère, c'est celui, même si ce n'était pas une personne, mais peut-être que c'était l'ensemble de personnes réunies à une certaine époque, dans la mythologie, dans la mythologie créative, naturellement, mais c'était quand même les hommes réunis, ceux qui savaient l'ordre de combat, oui. L'ordre de combat sur Terre, l'ordre de vaisseaux, comment les vaisseaux étaient équipés, comment les nobles se battaient entre eux, comment on construisait les fortifications. Eh bien, ces professeurs de l'université française qui aussi, tout sont peut-être une personne scientifiquement extrêmement au point, mais qui est invité par des idéologues psychopathes sur une radio, ils n'osent pas dire ce que vous êtes en train de m'aimer, que ça ne fonctionne pas, que ça ne pouvait pas fonctionner, parce qu'il suffit qu'ils osent
dire, vous savez comment ça a devenu une boutade dans l'historiographie post-soviétique, chaque вправо, chaque влево попытка к бегству произошла на месте провокации. Cela veut dire que lorsque les gardes de Goulag, oui, gouvernés par des trotskistes sous Staline, vous menez à votre lieu de travail, vous ne pouvez pas faire ni un pas à gauche, ni un pas à droite. On vous butait sur place. Bon, c'était une boutade naturellement. Oui, oui, mais l'université française, c'est là, et par la suite, toute la société de la République dite française, se résume à cela. En fait, vous avez vécu ça de l'intérieur, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ce professeur d'université, même s'il trouvait absurde les théories qui étaient proférées, se sentait obligé d'aller dans ce sens, en tout cas d'estimer que ça pouvait être probable qu'Omer soit une femme, au risque de perdre son travail, tout oui, simplement. Même un collectif de femmes, puisqu'actuellement tout se fait en collectif. Naturellement, et la science individuelle, ce que je pratique, c'est-à-dire celui qui analyse les textes, on établit un dialogue, n'est-ce pas? Ce que Schopenhauer avait appelé, non pas la république des savants, mais la république des génies. C'est-à-dire on s'adresse à travers des époques à nos autres égaux, et on discute avec eux. Et pour cela, il ne faut surtout pas qu'un collectif d'ordures syndicalistes fonctionnalisées intervienne. Non, c'est nuisible. Et c'est pour cela que en parlant des travaux publiés par la presse universitaire de Bordeaux, par la presse universitaire de France, etc., ou, c'est le sujet de ma thèse, oui, à savoir Vladimir Nabokov, ou les Nabokov dites nabokoviennes, qui analysent l'œuvre de Vladimir Nabokov, ne maîtrisent pas l'alphabet cyrillique. Sont incapables de comprendre tout simplement ce qu'ils lisent. Et par conséquent, leurs travaux dits scientifiques se résument à une répétition, à une espèce de shahada, oui, je crois, en un grand Dieu Allah égalitariste, etc. Et voilà. Mais je ne peux même pas jeter la pierre vers ces femmes infidèles de la science, parce que ils ne sont pas apparus comme ça ex nihilo. Oui, c'est vrai. Ce sont actuellement ceux qui gouvernent l'université française, ce qu'on appelle les enfants de baby boom. Mm-hmm. Au Québec, on les appelait les boomers. Oui. Et maintenant, ça a passé naturellement aussi, en français, naturellement. Voilà. Mais ils étaient fabriqués par quelqu'un. Mm-hmm. Je fais également, et je présente ici en Suisse, cette généalogie du désastre français. Mm. Comment les trotskistes expulsés de l'URSS se sont retrouvés en France, puis comment les staliniens venus sur leurs chevaux de victoire au-delà de Berlin jusqu'en France se sont unis ici, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les trotskistes et les staliniens ici en France. Vous savez, c'est comme à San Francisco, une ville quasi chinoise, ou comme à Vancouver au Canada. Il y a déjà la troisième génération des émigrés chinois. Eh bien, si au début, la première génération, si c'était, par exemple, les divers clans de la triade, la mafia chinoise qui arrivait, naturellement, ils sont tués sur ce territoire. Mm-hmm. Mais déjà, la deuxième, troisième génération des anciens clans de triade, ils pillent les territoires tranquillement. Eh bien, cette discussion stérile, qui sont bons et qui sont mauvais en France, les trotskistes et les staliniens, ben non, c'est déjà du passé. Oui. Mais maintenant, ils travaillent en collaboration. Exactement, mais ne l'oublions pas que bien avant le mai 68, à cette période ignoble de l'histoire française qui a commencé en 1944, à savoir la libération, c'est eux qui ont expurgé l'ancienne université française et c'est eux qui ont fait chasser les derniers esprits qui ont survécu au Front populaire. Oui. Et c'est là que naturellement, par la suite, on peut remonter jusqu'à la révolution dite française, et même à l'époque de Régence, pourquoi pas. Mais ce désastre, ces illettrés
de l'université française, c'est victime des méthodes globales, comme on l'appelle, semi-globales, mais finalement on fabrique des crétins illettrés qui sont actuellement les professeurs universitaires et qui fabriquent l'élite politique française. De demain, là, jusqu'au, non, jusqu'au palais de l'Élysée. Bien sûr, bien sûr. Ils sont extrêmement verbieux. Je vous envoie naturellement à cette victime de pédophilie qui est le président français actuel. Mais si je sais tant, je peux donner quelques exemples. C'est vraiment là, on m'envoie les vidéos des services officiels de l'Élysée. C'est exactement ce que nous rencontrons dans l'université française, exactement ce qu'on rencontre à l'Académie française. C'est le verbiage, son fond et son attache au texte. Oui, 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 bien sûr. Il méprise le verbe, le logos avec lambda majuscule qui est, par essence, inégalitariste et discriminatoire. Ce que vous dites, en fait, c'est que quand on voit, par exemple, des députés du parti de Macron, La République En Marche, qui, d'évidence, n'ont pas le niveau, ce sont des députés qui font des fautes de français, qui viennent habiller n'importe comment à la Chambre des députés, c'est ridicule, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Parce qu'au fond, même à l'université, il y a une chute de niveau des gens qui sont censés transmettre le savoir. Il faut bien expliquer à nos téléspectateurs, si vous n'êtes jamais allé à l'université, par exemple, moi j'ai fait un double cursus de lettres et de philosophie, lorsque vous devez faire une thèse, vous devez connaître la langue de l'auteur. C'est un impératif, théoriquement. C'est-à-dire, vous étudiez un auteur italien, vous devez connaître l'italien parfaitement. Vous étudiez un auteur chinois, vous devez connaître le chinois. Tout à fait. Et ce que dit en fait le docteur Livry, c'est qu'un certain nombre de gens qui sont pourtant docteurs et qui même sont professeurs, en réalité, font des thèses en prenant des bouts de thèses, d'autres thèses qui ont déjà été traduites. Donc, c'est finalement des compilations qui n'apportent rien. Qui n'apportent rien. Ou même s'ils maîtrisent la langue, eh bien, vous savez, ils se coupent de sources. Ils sont façonnés, programmés de telle façon que lorsqu'ils tombent sur quelque chose qui n'entre pas dans leur doxa, ils deviennent aveugles. Par exemple, lorsque le sujet de ma thèse qui est Vladimir Nabokov, il déclare « je hais la démocratie ». Eh bien, il y avait une dame de Servillet dans le jury de ma thèse qui dit « mais non, Nabokov, il adore la démocratie ». Non, mais... Non, parce que strict, il a dit le contraire. Il est impossible, vous comprenez, pour ces écervelés, ces victimes de méthodes globales en troisième génération, d'étudier un auteur s'il n'entre pas dans leur doxa. Et c'est ça qui est assez intéressant, ce qui va arriver en France, qui arrive déjà en France de plus en plus souvent, la ligne générale d'une tyrannie au bout de souffle, car la République dite française est une despotie quasi orientale au bout de souffle, on change la ligne générale quasi chaque instant. Oui. C'est-à-dire, ce qu'ils apprennent actuellement, dans 2 ou 3 ans, serait impossible. Par exemple, quand j'ai étudié à la Sorbonne l'Eurystie, exactement comme parallèlement, j'ai suivi les séminaires à rue d'Ulm sur Échille. Oui. Eh bien, on pouvait, les professeurs pouvaient encore dire que la purification d'Oreste et la votation en sa faveur par Athéna, c'est la purification de la société du matriarcat. Qui est incarné naturellement par les érénies psychopathiques, les chiens de garde naturellement, qui poursuivent le fils qui a tué sa mère Clytemnestre. Oui, et on dit qu'effectivement, est-ce que prononce Athéna, qui n'est pas une femme, comme écrivent actuellement dans les thèses de doctorat idéologique, mais une vierge, n'est-ce pas, Parthenos, c'est pas du tout la même chose, et qui dit « je vote pour Oreste parce qu'il a vengé son père Agamemnon, et le père est plus important que la mère, moi qui est né de la tête de mon père, qui me connaît la mère, etc. etc. » Et poursuivez, encore il y a quelques années, je ne suis pas un vieillard aux cheveux blancs, non.
On pouvait encore annoncer à la Sorbonne, à l'école pratique de haute étude, ou rue d'Ulm, chez les Normaliens, futurs agrégés, oui, Orestie, c'est la purification de la société contre la folie matriarcale. On rétablit l'ordre patriarcal qui méprise la multiplicité des vendettas. Vous imaginez, quelques années plus tard, un professeur maintenant prononçait cela à la Sorbonne. Maintenant, oui. Et ça va changer de plus en plus. Là, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'annulation, la censure, la tentative de censure, la censure réussie par les Black Panthers français, je ne sais pas comment on dit, des suppliantes de même Schill à la Sorbonne. Je me souviens encore assister à toutes ces dionysies où on montait le spectacle en langue originale. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont dit, naturellement et d'ailleurs, le CRAN a été fondé, de longtemps dirigé, plus maintenant. Je fais un séminaire ici en Suisse pour qu'on cesse de financer l'université française, cette matrice de crétins. Il était dirigé par un maître de conférence français. J'ai oublié son nom, mais vous le trouverez facilement. Oui. Donc, les Black Panthers ont débarqué à la Sorbonne et ont interrompu la représentation des suppliantes de Chile parce qu'un des personnages, bon, je ne sais pas combien, ont porté le masque de couleur sombre, ce qui est tout à fait stupide, c'est puisque incroyable. Chaque fois que la face sombre sous un masque apparaît sur la scène, c'est naturellement l'alter ego de Dionysos qui apparaît sur la scène, qui est un dieu des ténèbres, naturellement. Ce n'est pas du tout vous envoyer vers les races quelconques qui n'ont jamais participé à la création du monde. Mais c'est un contresens. Malgré les thèses de Black Athena qui circulent dans l'université occidentale. Mais je vous assure que c'était en mai, me semblait-il, dernier. Là, leur terrorisme a abouti. Allez-y maintenant dans les Dionysies et osez me trouver les masques, par exemple, sombres ou noirs de cette année. Vous ne les trouverez pas. Même si on a gueulé, si on a dit « Oh, on viole nos droits de création et tout ça », mais non, ils ont vaincu, exactement comme les terroristes qui ont mitraillé la dite Charlie Hebdo. Ils ont vaincu. Bien sûr, parce que maintenant, il n'y a plus de caricature. Mais ça vient dès l'université française. Donc, quand vous étudiez les bêtises de Macron, par exemple, on m'a envoyé le passage de Macron qui parle avec Poutine pendant les G7. Les G7 se réunissent à Biarritz, mais comme la Russie n'est pas membre des G8, donc Macron rencontre Poutine à part, au bord de Méditerranée. Une des journalistes, naturellement, qui était triée, naturellement, on les laissait entrer là-bas, qui pose les questions, qui étaient naturellement prévues. Macron se préparait, naturellement, ses conseillers ont corrigé cela. Eh bien, on lui pose la question, mais comment vous pouvez fréquenter M. Poutine, lequel déteste le libéralisme? Et Macron lance dans une diatribe, dans un discours, dans un monologue de peut-être 5 minutes. Oui, où que dit-il? Il disserte naturellement sur le libéralisme. Il nous parle de Solzhenitsyn, dont l'œuvre était falsifiée par des trotskistes français et suisses. Il nous évoque cela. En revanche, effectivement, et là, le verbe, il est discriminatoire. Lorsque Poutine, effectivement, dans une des interviews à un journal new-yorkais, mentionné les sociétés libérales, eh bien, il utilise le terme anglo-saxon où il y a seulement, tel qu'il est perçu en Russie, parce qu'effectivement, le libéralisme est arrivé en Russie, dans la langue russe, au début des années 90. Et donc, ce n'est pas du tout le terme libéral français, c'est-à-dire on peut être libéral, comme les partis en Roumanie, nationaux libéraux et tout ça. Donc, c'est le sens d'affaires. Non, non, non. Et c'est au sens des mœurs. Exclusivement. C'est libéral pour un russe. C'est seulement ce type de personne qui, lorsqu'il est président d'une certaine république, peut inviter les Congoïdes à danser tout nu et faire au palais de l'Élysée. C'est seulement cette
vision-là. Quand on le dit, le président russe avait utilisé, en plus il s'est adressé à des anglo-saxons des États-Unis, il a dit précisément ce que chez vous on appelle « libéral ». Et on ne connaît pas du tout cette vision française. En revanche, aucun conseiller de cet imbécile qui est le président français n'a pas marqué cette nuance. Oui, d'accord. Et pire, c'était au mois d'août dernier, n'est-ce pas? Aucun professeur slaviste français n'a jamais dit que le président de la République française raconte pendant des minutes devant la presse internationale des âneries. Oui, oui. Pourquoi? Ne parle pas de la même chose, en fait. Oui, parce qu'il viole le verbe, il viole le logos. Et si on ose faire ce type de crime de façon répétée, on aboutit à une tyrannie. Oui. Une tyrannie logomachique où il n'y a plus ni bien ni mal. Et quand on a franchi certaines frontières, ça va aller très vite. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'en analysant l'université française, telle que je l'ai fait ici en Suisse, ou en Russie, ou en Scandinavie, cela permet à rendre compte à des élites de l'Europe laquelle peut-être pas encore prête à mourir, je l'espère, oui. Qu'on ne peut plus compter sur ce qu'on appelle l'esprit français, lequel continue à se vendre partout, comme si c'était... La même chose qu'autrefois, la même valeur. Exactement. Ouais. Ils prennent ces souvenirs pour leur privilège, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ce que vous avez dit sur l'université me renvoie à mes propres souvenirs. Je ne suis pas monté aussi haut niveau que vous, je ne suis pas docteur, mais je me souviens que lorsque l'on étudiait Nietzsche à mon époque, eh bien, mes professeurs de philosophie arrivaient à nous faire croire que Nietzsche était un auteur de gauche, au sens gauchiste du terme. Et ils nous disaient, les nazis ont récupéré l'idéologie de Nietzsche, mais en réalité, Nietzsche était un libéral libertaire, et en fait, il a voulu dire le contraire. Et c'est incroyable. Alors, est-ce que vous arriveriez à un public qui ne connaît pas forcément la philosophie à résumer votre thèse, en tout cas, ce que vous pensez de Nietzsche, en fait? Quel est votre rapport sur Nietzsche? En fait, mes travaux sur Nietzsche, heureusement, ne se situent pas exclusivement dans le cadre de ma thèse, parce que sinon, ce serait jeté aux orties, aux oubliettes. Oui. Ma thèse doctorat a été publiée rue de la Sorbonne à l'époque chez Herman, après ça a déménagé dans Paris, donc avec les préfaces des deux professeurs, donc une qui était la présidente de la Nietzsche Gesellschaft allemande, et par la suite, j'ai continué à être publié, mes travaux sur Nietzsche ont continué à être publiés par les professeurs de Humboldt Universität, par le Walter de Gruyter, qui est l'éditeur de Nietzsche en version originale, par conséquent, et par la suite, naturellement, à travers le monde. Notamment ici, par la faculté de théologie de l'université de Fribourg, Suisse, pas Freiburg, en Brésilien, allemand. Oui. Donc, c'est un sujet inépuisable. Comment je peux simplifier cela? Parce qu'il faut toujours simplifier quand on parle devant les caméras. Mais Nietzsche est un littéraire de l'époque hellénistique. Il a la psychologie d'un homme de lettres, d'un rhéteur de l'époque hellénistique. Grec, c'est-à-dire l'époque hellénistique, oui. Selon l'école académique, c'est-à-dire en France, dans l'école française, on commence l'époque hellénistique depuis la date de la mort d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire 323, c'est-à-dire le 10 juin de 323 avant Jésus-Christ, et ainsi jusqu'à à la fin de l'existence du dernier royaume hellénistique, c'est-à-dire l'Égypte de l'Égide. Oui. Et par la suite, on parle de l'Empire romain, c'est-à-dire, en revanche, dans la tradition pure, qui est naturellement violée actuellement, anglo-saxon, on met tout l'Empire romain à l'époque hellénistique, c'est-à-dire plus d'un demi-millionnaire, on appelle tout ça l'époque hellénistique, il n'y a pas une séparation franche entre l'époque hellénistique romaine. Et bien, à cette époque, on aboutit dans la création de langue grecque,
des auteurs de langue grecque qui ne sont peut-être pas précisément hélènes de race pure, à une certaine nostalgie de la Grèce classique. Oui, on rappelle que Nietzsche, avant d'être philosophe, était philologue et il Exactement. Connaissait parfaitement le grec. Ouais. Et ses lectures principales étaient Platon. Il parle très souvent de Platon dans ses. C'est sa référence principale. Oui, il avait enseigné ici à l'université de Bâle l'ensemble des tragiques, notamment Platon, naturellement surtout Héraclite. Et par la suite, il y avait une certaine tendance qui pourrait être chère à des auteurs, à des professeurs spécialistes de médecine grecque, c'est-à-dire Hippocrate et Galien, qui étaient donc grandement étudiés par le feu Jacqueline de Romilly. Oui, effectivement. Et quelle est cette particularité de l'homme grec, de logos grec, oui. De l'époque hellénistique ou de l'époque impériale? C'est-à-dire qu'on s'éloigne du quotidien. Puisqu'autour, on parle koiné, c'est-à-dire on parle le grec du quotidien, comme actuellement on parlerait en certain français mélangé avec les kabylismes et les arabismes et les américanismes. Et on se projette vers le passé, c'est-à-dire vers la langue d'Homère. C'est par exemple comme si maintenant, un personnage épuré qui manie la langue française pour ses écrits reviendrait dans le ton de François Villon, par exemple. Oui. Mais non seulement qu'il utilise la langue, mais il replonge constamment dans cet univers qui fait de cette élite les êtres extraterrestres, totalement. Puisque, par exemple, depuis l'époque d'un Lucien jusqu'à Homère, eh bien, on a quasi 8 siècles, 9 siècles. Oui. Et on vit dans cet univers qui est totalement étranger. Et ce qui se passe, et ce qui malheureusement n'est plus du tout de ce qui ne peut exister à notre temps, que les élites qui gouvernent l'Empire romain sont volontiers hellénophones. Oui. C'est-à-dire, tel Marc Aurèle, tel par la suite Julien, l'empereur Julien, etc., il écrit volontiers beaucoup plus en langue grecque, classique, en se faisant les références, par exemple pour un Julien, d'il y a quasi un millénaire, vous comprenez, oui. Et on les fait revivre, et on les fait porter au sommet de l'État, c'est-à-dire on donne également une puissance du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'un empereur romain, c'est le pouvoir, on a droit de vie et de mort de ce sujet, oui. Naturellement. Et ce que fait Nietzsche, il fait exactement cela avec l'idée d'une certaine germanité européenne via, naturellement, l'époque classique de la Grèce. Et il fait le signe d'égalité entre la renaissance du mythe grec fait naturellement par un Euripide qui était une espèce de boomer athénien et qui parlait à démocrate naturellement, qui fréquentait cette ordure de Socrate et qui parlait à suite enfin durant ces vieilles années se sauver, qui a trouvé un asile politique auprès d'une monarchie macédonienne. Et là, il y a une certaine renaissance, précisément le premier titre de grand œuvre de Nietzsche, c'est la renaissance, Wiedergeburt der Tragödie, la renaissance de la tragédie. Et ce qu'il fait, Nietzsche, il fait le signe d'égalité entre... c'est totalement à contre-courant, la renaissance de mythes germains, exactement comme le vieil Euripide avait fait réjaillir les puissances ariennes, puisque ce qu'il fait, en fait, dans ses Bacchantes. Et Nietzsche propose
Si vous le lisez littéralement, vous apprenez la langue allemande et vous lisez, voilà, par exemple, la naissance, la fin de la naissance de la tragédie, eh bien, je propose à la jeunesse allemande la renaissance de nos mythes. Et là, Nietzsche, naturellement, est à contre-courant de ce que nous vivons actuellement dans notre Occident qui meurt, parce que ce à quoi on nous livre, c'est les destructions quotidiennes, croissantes de mythes de l'Europe. Oui. Et on déchoit les êtres blancs de l'Europe de leur mythologie ancestrale. En fait, quand on lit Nietzsche, on s'aperçoit que plus il a avancé dans sa vie, plus il a été sombre, parce que si je comprends bien ce que vous dites aussi, il a perçu l'éloignement de l'esprit grec, l'éloignement des Allemands, des Germains, de cet esprit grec vers un esprit décadent. C'est un grand critique aussi du christianisme. Et en fait, il a vu vraiment ce qui aboutit aujourd'hui finalement au gauchisme, d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu cette intuition-là? Premièrement, je pense que la folie de Nietzsche n'a pas trop lié à son œuvre. Oui. Je pense que c'est tout simplement certaines frustrations et quand on connaît vraiment, qu'on suit sa vie vraiment, vous savez, si vous allez faire le ski à Saint-Moritz, juste à côté de Sils-Marie où elle avait vécu, ça va, mais si vous y restez un peu trop longtemps, vous risquez de déprimer un tout petit peu. Oui, d'accord. Donc, oui, Nietzsche, c'est assez. On dit que souvent son œuvre est extrêmement hétéroclite, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver ce qu'il veut dire. Mais c'est un leurre, on se dérobe, en fait. Parce que ce que faisait Nietzsche, il parlait notamment, il était anti-chrétien. Oui. Mais pour lui, le problème de l'Église chrétienne, c'était son cosmopolitisme. Oui. Et il le dit ouvertement. Et j'ai publié un article ici à l'Université de Fribourg, à l'Université de théologie, justement il y a quelques mois, en langue française, donc je vous invite à le lire, où je précise que le nihilisme cosmopolite, et Nietzsche utilise vraiment ce terme, le plus grand problème du christianisme, c'est que il est non racial, il est non ethnique, il a déchu les êtres de leur, oui, les peuples de leur divinité ethnique. Et par la suite, pour Nietzsche, il y a le passage naturel d'une forme de christianisme vers le nihilisme. Il n'y avait pas à cette époque le terme, n'est-ce pas, le gauchisme ou le marxisme. Mais Nietzsche utilise le terme qui était extrêmement en vogue à l'époque, à savoir le nihilisme, puisque les nihilistes russes, pendant que Nietzsche vivait en Suisse, en Italie, en France, c'est-à-dire à Nice, eh bien, il lisait en français, naturellement, le journal de débat qu'il annonce de lire constamment rendait compte des exactions des nihilistes, je dirais, les premiers terroristes européens, russes, européens en action. Oui. Et pour lui, bon, il utilise le terme nihilisme, ce nihilisme est naturellement, par la suite, a pourri l'Église. Vous pouvez voir ce qui se passe dans votre église française où le congrès des archevêques de France annonce que désormais il n'y a plus ni mère ni père. Et dans les actes de baptême, semble-t-il, en France, il y a le parent 1, parent 2, n'est-ce pas? Et vous avez l'évêque de Rome qui embrasse, qui érige les statues dans une forme d'apologisme, oui, de cosmopolitisme à Vatican, qui embrasse les pieds des
de la chance pour l'Italie, n'est-ce pas? Et tous, effectivement, oui, on peut dire que ce Nietzsche était sur ce point oui. de vue assez prophétique. Et effectivement, bon, vous allez me traiter de tous les noms et dire que c'est un juif qui s'attaque à l'Église traditionnelle. Mais si vous connaissez le catholicisme traditionnel, ben, donc c'est bon, naturellement, Monseigneur Lefebvre pour moi est un chevalier des temps modernes. Bien ça, sûr, je ferme les parenthèses. Mais ce qui est devenu actuellement le catholicisme traditionnel, eh bien, je peux vous dire que vous trouverez plus de mes consanguins ashkénazes animés du sionisme auprès de certaines communautés traditionnelles catholiques que sur les territoires occupés en Israël. D'accord. Ouais. Alors justement, au début de l'émission, vous avez dit que vous étiez juif. Vous êtes juif de père et de mère ? Oui, je suis 100% juif. Ashkenaz, c'est ça ? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours religieux ? Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous vous êtes converti au catholicisme traditionnel ouais. et que vous avez évolué à nouveau vers le paganisme. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix, ces convictions, cette foi ? Et est-ce que c'est un rapport avec la lecture de Nietzsche, également ? Vous savez, les philosophes, ils disent toujours, les philosophes de notre temps, ils disent « Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. » Mais je pense que j'ai suivi un parcours honnête qui est lié à mon évolution à la fois scientifique, spirituelle et littéraire. Effectivement, je suis arrivé en France et quand je suis arrivé en France, il y avait encore cette façade du Front National, cette façade du catholicisme. Et effectivement, je suis allé vers cette tendance, fut un pas vers mon assimilation à l'Europe blanche, c'était logique. Eh bien, je me suis converti au catholicisme dans le cadre, effectivement, d'une église traditionnelle qui s'est divorcée ouvertement à l'esprit du Concile Vatican II. Oui. Je suis allé en Terre Sainte pour parfaire mon instruction catholique, oui, j'ai passé par l'apprentissage du latin et de l'hébreu, par l'apprentissage du Nouveau Testament en latin, par l'apprentissage de l'Ancien Testament en version originale. Oui, et par la suite, j'ai fait mes recherches en tant qu'historien, puisqu'effectivement, je suis diplômé de l'école d'études en sciences sociales. Et donc, j'ai fait les études dans les archives. Je me suis plongé dans l'œuvre des nationalistes européens. Oui. Je suis plongé en parallèle de ce qu'on dit dans les archives. Cela correspondait à une certaine vision du monde politiquement incorrect, naturellement non édité dans les facultés de l'histoire. Je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de la guerre. Je me suis intéressé également à l'histoire de procès. C'est-à-dire, j'ai remonté les procès idéologiques, religieux, sorcellerie, et oui. ainsi jusqu'au tribunal, un certain tribunal bavarois qui s'est tenu après la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite, naturellement, partiellement via Schopenhauer, Goethe, Nietzsche, je me suis retrouvé avec des néoplatoniciens, pas seulement l'empereur Julien ou Jean Blic, non, mais également avec l'ensemble de l'œuvre des néoplatoniciens, c'est-à-dire, comme écrivait Julien, la naissance de l'hellénisme, n'est-ce pas, le tentative national-socialiste de rétablir le paganisme oui. Dans l'Empire de l'Occident et de l'Orient. Voilà. Oui. Et cela m'a amené également à me tourner vers les cultes anciens.
Arien. Oui. Voilà, le nom de Zarathoustre apparaît de nouveau. Et oui, tout naturellement, je me suis rendu au culte de solaire à ces trois faces de Mitra, n'est-ce pas, visible et invisible, et le médiateur qui oui. porte le nom de Mitra. Oui, c'est assez complexe. J'ai essayé de rendre cela dans cette conversion, ce retour, n'est-ce pas, à mes origines, puisque je ne pense pas que l'origine des Ashkénazes serait le judaïsme. Vous savez, comme dit dans une de ses dernières interviews un génie américain qui est David Lane, oui. Ne croit pas aux dieux étrangers car leur unique, je le traduis comme ça librement, leur unique but est d'être exterminé. Oui, c'est-à-dire que vous pensez que le groupe Ashkenaz est ethniquement européen, mais qu'il a été judaïsé culturellement. C'est ça votre idée ? Non, mais en fait, chacun s'occupe de sa propre existence. Mm-hmm. Je ne prétends pas être le prophète des oui. Ashkenaz. Non, naturellement, une fois me converti, c'est seulement juste une parenthèse, naturellement, oui, je m'intéresse naturellement à la théologie chrétienne et naturellement à la théologie orthodoxe. Oui. Eh bien, il y a un grand saint orthodoxe qui s'appelle Séraphin de Sarov. Et qui dit « Спасися сам, et вокруг тебя спасутся тысячи. Sauf toi, c'est-à-dire D'accord. sauf ton âme dans l'esprit de Soter, oui. c'est-à-dire le sauveur, comme l'Agide, premier l'Agide. Eh bien, sauf toi, et par ton propre exemple, tu sauveras des milliers autour de toi. Oui, oui. C'est pour cela que je ne pense pas que c'est quelque chose qui est enseigné par l'Église orthodoxe. Je fais régulièrement les cours de mon Datos, n'est-ce pas, ce monastère où les femmes sont interdites et oui. où le clan de Saint-Pétersbourg, bon, pour plus simplement. Tout simplement, M. Poutine vient pour se retrouver spirituellement de temps en temps. Eh bien, des moines, oui, de Mondatos, délivrent des séminaires en orthodoxie. C'est quelque chose qui je pense qu'actuellement, c'est une des rares théologies chrétiennes qu'on peut aussi capter, pourquoi pas. Mm-hmm. C'est que c'est un recueillement, c'est une vision antique naturellement du christianisme et c'est une pensée reposante, c'est une pensée solaire, mm-hmm. n'est-ce pas, vous sortez et vous voyez le soleil se lever à chaque fois, à tous les matins. C'est un endroit où on peut méditer. Et ces cours sur la théologie orthodoxe, les séminaires faits à l'ancienne, effectivement, m'enrichissent énormément. Non, je ne pense pas que ce qu'on appelle les Ashkénazes actuellement ont une origine commune. Vous savez, on dit que ce sont les anciens Alans, mm-hmm. et donc les autres disent que c'est l'élite de la Khazarie, c'est-à-dire qui a été judaisée, donc une population turque à l'origine qui était judaisée pour assurer le passage vers la Chine depuis l'Europe, pour je dire qu'on passe d'un clan judaïque à l'autre. Vous avez énormément de missions, on peut remplir des versions, on peut remplir cette pièce avec oui. tout ce qui s'est écrit dessus, surtout actuellement en langue russe. Il y a énormément de matériel dessus, mais en tout cas, ça a été votre parcours, en fait, le parcours oui, que vous avez là. Personnellement, oui, je peux parler que de moi. Je ne traîne personne derrière dans mon thiaz. Mais ce qui est important, effectivement, qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup de Germains mm-hmm. judaïsés. Vous avez ces mémoires de Osip Mandelstam qui décrit ses grands-parents de Riga, c'est-à-dire de Lettonie, je dirais, à l'époque de l'Empire russe.
Il parle effectivement de ces judaïques aux yeux clairs, aux yeux bleus, qui sont foncièrement nets. Effectivement, ce n'est pas la qualité de nombreux de mes consanguins, oui. et qui ne vénèrent pas de l'argent, c'est-à-dire il est son grand-père aux yeux clairs, qui avait travaillé jusqu'à une certaine époque, et pour la suite, il lui dit, cela, ça me suffit, ça va suffire à ma femme, oui. Eh bien, j'arrête de travailler, je me consacre au Dieu. Non, effectivement, quand vous étudiez, quand vous suivez les études de l'ethnologie, c'est extrêmement intéressant et vous intéressiez un peu ce qui s'est passé en Allemagne actuelle de l'Est, ce qui passait en Pologne actuelle, ce qui s'est passé au sud des pays baltes actuels, effectivement, vous avez tout un brassage de populations aryennes, si vous voulez, parce que selon une certaine version des spécialistes généalogie russe actuelle, c'est que seulement les Slaves, les anciens Prusses, donc exterminés par les Germains qui ont repris leur terre, sont dit matos, nous qui sommes les Prussiens. Donc, le grand remplacement, naturellement. Oui. Eh bien, c'est seulement, selon une des versions actuelles en vogue en Russie, c'est seulement cette population-là qui est effectivement aryenne, et ceux qui sont actuellement les Germains, les Latins, etc., eux, effectivement, ils ne viennent pas de l'Afrique, ils ne sont pas originaires de l'Afrique, mais ils ont traversé l'Afrique. Cela existe naturellement. Oui. Si vous vous intéressez à l'ethnologie universitaire russe, c'est quelque chose qui est assez en vogue. D'accord. En quoi consistent vos travaux aujourd'hui ? Vous enseignez en Suisse ou que faites-vous universitaire, politique ? Oui, je délivre les cours à des mécènes qui ont eu, qui veulent tout simplement à l'origine, c'est quelqu'un, ce sont des personnes qui veulent tout simplement une forme de développement personnel et qui ont, au bout de leur carrière financière, veulent suivre les cours en auditeur libre, mais ils ont compris que l'université traditionnelle ne peut plus leur fournir cela. Et peu à peu, une certaine forme de camaraderie se trouve, l'esprit de camaraderie s'est créé entre eux et moi. Oui. Et j'ai découvert que depuis des décennies, ils ont eu le malheur de financer les projets scientifiques franco-suisses. C'est-à-dire, pendant des décennies, ils se sont fait ici, les notables suisses, se sont fait arnaquer par certains membres de l'université française qui venaient puiser les subventions dans les fondations suisses originellement destinées à l'université suisse. Donc, qu'est-ce que faisaient ces Français, ces fonctionnaires universitaires français? Ils trouvaient un notable suisse qui est professeur universitaire, ils lui offraient, en échange de ce pillage de fortune ancestrale ou nouvelle suisse, le paiement d'abord en ordre national des mérites pour détourner les petites sommes, 50, 70 000 francs suisses, donc 50, 70 000 dollars, puis la Légion d'honneur, lorsqu'on détournait les sommes comme un demi-million de francs suisses, et puis effectivement, on peut être également au sommet de cet exercice, à savoir, lorsqu'au bout de toute votre carrière dans une université suisse, vous avez eu ces professeurs, ont réussi à détourner de diverses fondations de la Suisse allemandique plusieurs millions de dollars, oui. Eh bien, on leur offrait avec grande pompe dans les ambassades le titre de l'officier de la grade de l'officier de la Légion d'honneur. Et je suis entré en quelque sorte au sein de ces fondations, avec mes dossiers internes de l'université française que j'ai réussi à obtenir via mes concours auprès du Conseil national des universités, auprès également avec mes dossiers
recours auprès des tribunaux administratifs de Paris, ouais. Et je fais tout simplement, tout bonnement, le cours, les séminaires sur ce qui m'est arrivé. Actuellement aussi, je demande une qualification, c'est-à-dire le droit de chercher un poste de fonctionnaire dans une université française. Et grâce à cela, je parviens à récupérer les traces du fonctionnement réel de l'université française, laquelle n'est pas du tout tout de ce qu'on présente publiquement. Parce que vous devez le savoir, quand même, lorsque vous voyez un enseignant-chercheur qui vous présente ses travaux, c'est quelqu'un qui travaille sur le même sujet, peut-être oui. depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui se répète, mais qui par ailleurs est totalement inculte. Et en fait, tout ce qu'il vous présente à grande pompe, cela représente seulement 1 ou 2% de son activité. Tout le reste, ce sont les travaux du fonctionnaire. De syndicalistes. On siège dans les soviets, on vote, on élit, on joue sur les relations de force entre divers syndicats, etc. Toute cette phase qui a été cachée, dissimulée auprès de mécénats, grands oui. mécénats suisses, où, via les professeurs suisses à qui on paye avec les légions d'honneur, on vient chercher ces fortunes, lesquelles sont par la suite non seulement qui sont détournées et qui se font circuler au sein de l'université faculté française via les associations de la loi 1901, mais qui sont remontées par la suite jusqu'à des fonds secrets de l'Élysée. Naturellement, ce n'est pas l'unique source de l'alimentation de ces fonds secrets, mais cela a fait de moi, cette activité a fait de moi, suite à la mort du très honorable professeur Robert Forisson, le plus grand ennemi de l'université française. D'accord. Oui, donc je comprends maintenant, on comprend mieux maintenant pourquoi on ne vous aime pas depuis la France. C'est-à-dire, vous coupez le robinet à argent, donc ça, c'est très grave, c'est un crime de lèse-majesté. Tout à fait. Quelles sont vos relations avec la sphère, on va dire, nationaliste française ? Parce que en préparant cette émission, j'ai constaté que vous apparaissiez dans très peu de vidéos auprès de dissidents qui sont connus en France, de mes spectateurs et de moi-même. Quelle est la nature de vos relations avec tous ces gens que nous connaissons sur Internet ? Bah, écoutez... J'ai peu de relations, disons cela. Oui. Tout simplement parce que j'ai compris qu'à un certain moment, c'est peut-être pas trop utile. Je publie, il y a certaines rédactions parisiennes qui m'offrent toujours les tribunes. Mais ce que nous avons dit en prévision de cet entretien vidéo, premièrement, j'ai compris que passer devant les caméras, c'est pas toujours utile. Vaut mieux, comme disait Adolf Hitler dans son nouveau célèbre best-seller, vaut mieux toujours s'adresser à des gens de visu. Ça passe et ça reste beaucoup plus. Eh bien, c'est vrai, vaut mieux quand même que je réunisse 10, 15, 20 personnes comme ça dans une salle et avec qui je peux tout simplement discuter en démontrant certains documents ou analyser les textes. Je dirais une activité, si on analyse les textes d'Héraclite, c'est une activité non moins subversive que si on lit les procès qui m'étaient intentés par les actuels membres de l'Académie française. Oui. Aux origines, au début de mon action politique, effectivement, j'étais fréquemment convié au Radio Courtoisie oui. de l'époque de Jean Ferré, naturellement. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jean Ferré ? Pourquoi cela a tellement fonctionné ? C'était aussi l'époque d'avant le YouTube, naturellement, la grande fréquentation de YouTube. Pourquoi ? Parce que Jean Ferré, et c'est plutôt ce monde-là que j'avais connu, il avait appliqué la gestion véritablement monarchique. N'est-ce pas? Le monarchique dans le sens de la monarchie française, c'est-à-dire je vous délègue et je vous laisse faire et je vous offre la liberté totale. Voilà. Et là, effectivement, j'étais convié à des libres journaux de... Oui.
Olivier Pichon, de Daniel Amish, et tout, etc. Et je continuais naturellement à écrire dans la presse papier, naturellement, dans Le Monde des Vies, dans Le Légitimiste, par la suite. J'étais introduit par Vladimir Volkov, donc le feu écrivain français d'origine russe, à l'école, à l'Action française 2000. C'est, je pense que j'étais le premier juif à écrire dans la décadaire, me semble-t-il, hebdomadaire de l'Action française. Et j'ai écrit dans le prison, dans le Rivarol, naturellement. Ah oui, vous avez écrit Oui, de l'époque de Marie Galic, et durant les premières années de... la gestion actuelle, son successeur. Je pense que Jérôme Bourbon ne vous laisserait pas écrire dans Rivarol maintenant. Si, c'est lui qui m'a... maintenant, non. Naturellement, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, naturellement, mais au ses débuts, naturellement, d'accord. Il a publié mes tribunes consacrées naturellement à l'université française et pas seulement. D'accord. J'ai failli même avoir, je dirais, c'est ce que j'enseigne ici en Suisse, c'est déjà quasi les mémoires d'un vieillard. Je suis allé, me semble-t-il, une fois voir Cyrano de Bergerac à la Comédie française, et j'ai écrit une tribune, c'était mise en scène par Podalydès. D'accord, voilà, Podalydès. C'est personnage de gauche caviar, et donc j'ai écrit un article, parce qu'il fait jouer Roxane par une mulâtresse, et donc j'ai écrit des choses assez drôles dans le... dans les Rivarol, qu'il a reçu naturellement, je ne sais par quel canot. Il a trouvé mon agent littéraire, ne sais par quel biais. Il lui avait écrit que là, maintenant, il va faire procès à Monsieur Livry pour ce qu'il avait osé d'écrire. D'accord. Voilà, donc c'est pas lui, naturellement, c'est la Comédie française qui va le faire. Alors, au sens strict, mulâtresse, vous dire métisse. Ouais, non, mais j'ai dit beaucoup de choses parce que je me suis quand même moqué. Vous pouvez lire, naturellement, vous savez. Quand Cyrano de Bergerac joue « Suis-je en Alger ?» etc. Et vous avez le parterre des populations, vous avez tout noir de visage, et vous avez là le parterre de nos braves chances pour la France que leur maîtresse a amené là. C'était le silence total. Donc ce que j'ai dit, que bientôt on va charcuter les œuvres des classiques français, et on commence déjà. Et voilà, et donc ce fut assez drôle, cette correspondance électronique entre mon agente et Podalydès, laquelle est tout de suite bouclée là, dès qu'elle a su que je suis juif. Donc voilà, on peut naturellement attaquer un blanc qui écrit dans le Rivarol, mais dès qu'un juif, il ne voulait pas avoir la communauté dessus, etc. Ah, voilà, ça fonctionne comme ça. Et actuellement, une quinzaine d'années plus tard, tous ces éléments, toutes ces anecdotes deviennent très révélateur, parce que c'est assez particulier. Et en plus, là, souvent les Français, effectivement, ils connaissent la Suisse romande. Et en Suisse romande, on connaît beaucoup plus de choses. On connaît beaucoup plus de choses que de problèmes français, de catastrophes françaises. Mais ici, en Suisse alémanique, on ne sait pas cela. Donc, il faut tout simplement attraper les gens qui financent ce désastre. Depuis des décennies, et leur dire, regardez, leur mettre le pif dedans, si je peux continuer avec Cyrano, et dire, regardez ces ordures qui haïssent votre race, qui veulent vous exterminer, mais tout simplement, ils s'adressent à vous, comme les bolcheviks s'adressaient à des multimillionnaires russes, tout à fait, pas seulement les juifs, mais vous avez eu toutes ces dynasties de grands bourgeois de Saint-Pétersbourg qui finançaient leur propre mort, naturellement. Est-ce que pour terminer sur cette question de la dissidence française actuelle, de ce que vous appelez la droite décadente, il me semble que c'est vous qui employez ce mot-là. J'ai vu dans quelques mails que vous avez envoyés. Est-ce que vous diriez que c'est l'esprit de corporatisme qui pourrit aussi, qui empêche la libre pensée au sein du camp alternatif, du camp dissident ? Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Si vous êtes catho, vous êtes catho, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas émettre de critique. Si vous êtes dans l'autre camp, c'est pareil. La pensée est figée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
Tout simplement, il y a les multiples haines, il y a énormément de chapelles, naturellement au sein de divers courants catholiques, naturellement. Oui. Il y a aussi cette branche versaillaise, naturellement, que j'ai connue également à la Sorbonne, qui vivent, qui sont rentiers depuis des générations, et qui, je vous assure, qui méprisent les Blancs, peut-être aussi beaucoup plus qu'ils mépriseraient un juif, parce que juif, pourquoi on m'avait accepté parmi les Claudeliens, puisque je publiais beaucoup oui. sur Paul Claudel et tête d'or, son tête d'or et l'empereur Julien, naturellement. Tout simplement parce qu'on pensait que j'appartiens à l'autre clan, ce qui tout à fait vrai. On pouvait croire qu'à cette époque, j'appartenais au clan des Juifs Ashkenaz qui dirige la slavistique française. Oui, c'est comme ça. J'ai assisté à plusieurs réunions comme ça autour de la table. Est-ce qu'on peut pousser celui-là? Est-ce qu'on peut pousser celui-là? Est-ce que les questions principales, est-ce que les Juifs? Ou est-ce que tout simplement, c'est un non-Juif ou un non-Juif mais qui serait marié tout simplement à un, etc. Ou lié à un autre clan? Et effectivement, mais dès qu'on avait compris que tout simplement ce qui m'intéresse, c'est la science pure avec un S majuscule, qu'est-ce que tu fous ici, casse-toi. Et c'est pareil. Je comprends, on vous a pris d'abord pour un bon parti, on s'est dit il est juif, il a peut-être des relations, il y a de l'argent derrière lui. Quand on s'est rendu compte que vous étiez un homme de conviction, finalement on vous a mis au placard en disant bon. Tout simplement, même avant de rentrer à la Sorbonne, j'ai commencé une thèse de doctorat qui s'est soldée par un diplôme des études approfondies sur la section juive du parti bolchevique. C'est-à-dire, mes premières recherches dans les archives, c'était financé vraiment par une authentique yeshiva de l'école d'études de sciences sociales. Effectivement, c'est comme ça. Mais par la suite, j'ai parcouru en quelque sorte, mes mémoires seront effectivement extrêmement intéressantes à lire. J'ai déjà commencé mes mémoires en langue russe où je décris la droite dite nationaliste, etc. Française. Oui. C'est quand même personnellement quand vous fréquentez les sommités de la droite, ces têtes pensantes, vous voyez bien qu'il s'agit des invertis, des personnes assez psychiquement bizarres et tout ça. Je me souviens une fois j'étais convié à un personnage fort important de l'ancienne époque, de l'ancienne Action française, et il m'a convié chez lui, et j'ai retrouvé partout, posé dans le meuble, les photos de nus sodomites, et lui-même qui m'a ouvert la porte en culotte féminine. Et voilà. Vous ne souhaitez pas dire son nom, c'est ça? Vous avez toutes sortes de surprises comme ça. Et effectivement, quand, par exemple, ces personnes s'exportent, c'est-à-dire quand ils vont prêcher la pensée maurassienne à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ou même ici à Zurich ou à Bâle, je vous assure qu'ils le dissimulent fortement. Oui. Et ils tombent, effectivement, j'ai déjà commis pas mal d'articles sur ça dans les gazettes littéraires de Moscou, ou dans les sites eurasistes. D'ailleurs, j'ai écrit ça en français, vous pouvez le lire. Mais effectivement, il est temps quand même que je décrive ce qui c'est à l'origine la droite, la dite droite dissidente française historique, c'est-à-dire qui est générée par ces clans de Versailles ou ces clans de Paris ou ces clans de Côte d'Azur. C'est-à-dire que pour obtenir des financements de la part d'instituts, de la part d'organismes russes, ils se comportent de telle façon à ce qu'on pense qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des gens traditionnels sur le modèle de ce qu'on pouvait connaître au siècle dernier. Finalement, ils jouent un rôle
le temps d'obtenir la subvention, en fait. Bah, tout à fait. Ce sont des gens qui veulent faire un putsch qui vous parle de la prise de pouvoir de 9h jusqu'à 17h. Et puis, entre 20h et 5h du matin, vous pouvez les retrouver dans une boîte sodomite à Paris ou fréquent qui commande les prostituées mâles à leur domicile. Et je peux vous dire que pendant plus de 15 ans, incroyable, avant que je ne sois invité à l'enseigner à l'université de Nice Sophia Antipolis, je fréquentais ce beau monde. À l'intérieur, j'ai quelques souvenances de ça. Et c'est vrai que quand on présente cela dans l'univers russe, ces gens en Russie, on est tout simplement horrifiés et choqués, puisque ces gens, comme un certain environnement sarkozyste fréquente la Suisse et rencontre ici les hommes d'affaires qataris pour un prochain mandat, etc. Puisque M. Sarkozy avait parcouru effectivement en 2017, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, et on demande de l'argent. Et si vous rentrez à Paris, vous allez manger à la tour d'argent, vous allez également rencontrer exactement le même type que vous rencontrez ici au ski à Saint-Maurice ou sur la Bellevue Place de. À Zurich, parce que effectivement, comme s'il y avait une espèce de barrière linguistique, ces gens fréquentent très souvent les hauts lieux en Suisse albanique. Et si vous entrez dans ces cercles, vous les voyez par la suite, vous voyez leur discours nationaliste. Le discours nationaliste une fois rentré à Paris, ou les discours assez durs, genre quoi ce qu'a nous a fait M. Sarkozy lors de sa dernière campagne présidentielle, mais vous ne l'oubliez pas qu'elle est allée à l'école polytechnique de Palaiseau, me semble-t-il, quand elle était déjà président de la République, et il a dit que notre prochain défi, c'est le métissage. Et pourquoi les Français, si vous vous souvenez peut-être cela. Après avoir été élu sur une ligne identitaire. Exactement. Oui. Et voilà, mais pourquoi c'est le perpétuel tabula rasa? Pourquoi on peut parler 7 ans ou 10 ans ou 9 ans plus tard de ligne dure nationaliste et parler tout simplement à des futurs cadres de l'école politique? C'est-à-dire encore un cadre académique, tout simplement le défi républicain de métissage. Et ces choses-là, on les méconnaît, on ne les connaît pas, ni parmi les financiers à Bâle, ni parmi les financiers à Zurich, auprès de qui tout ce beau monde vient chercher les finances sans cesse. D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence vous allez en Russie, vous n'y vivez pas, vous n'y travaillez pas, mais enfin, je suppose que vous gardez un lien avec l'actualité russe, vous parlez parfaitement russe, évidemment. Comment vous percevez la Russie actuellement? Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé à l'Occident, à l'Europe de l'Ouest, peut toucher la Russie, la touche déjà? Les gens qui nous suivent et qui sont essentiellement des nationalistes français sont assez inquiets de voir la Russie suivre le chemin de l'Occident. Alors, quel est votre pronostic? C'est quasi impossible de le dire. Vous savez, le clan de Saint-Pétersbourg arrive à la fin de son pouvoir tout simplement parce que son représentant, je dirais, monsieur, le président russe actuel, il va atteindre un âge certain. Comment va se dérouler le passage de pouvoir? Nul ne le sait. Mm-hmm. Donc, voilà, si vous savez, tout se décide au dernier moment très fréquemment. Si vous travaillez dans les archives soviétiques, vous savez que, par exemple, lorsque Brejnev était mort, c'est au dernier moment qu'on avait pensé à son successeur et à l'autre successeur. Et par la suite, au passage de Gorbatchev, à l'arrivée de Gorbatchev, c'était tout à fait inouï, puisqu'il avait réussi à amener avec lui toute son équipe progressivement. Voilà. On ne sait rien. En plus, quand on vous parle de la Russie,
Eh bien, c'est un peu comme les africanistes, vous direz, c'est exactement comme on parle de l'Afrique. Il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs Russies. Effectivement, oui. Vous avez la Russie de Moscou, vous avez la Russie de Saint-Pétersbourg, vous avez la Russie du Nord, c'est-à-dire aux environs de Murmansk, etc. Vous avez la Russie sibérienne, vous avez la Russie extrême-orientale. Eh bien, c'est pour cela que vous avez la Russie musulmane, ne l'oubliez pas. C'est difficile à dire, en fait. Tout à fait. Vous savez, comme avait dit Nietzsche, ich bin eine Nuance. Je suis une nuance, effectivement. On ne peut pas, quand on veut aborder sérieusement un sujet, on ne peut pas aller dire. Moi, j'adore, par exemple, voyager en Extrême-Orient russe où je délivre mes cours à Khabarovsk et à Vladivostok, c'est-à-dire, bon, ce sont deux villes à environ 1000 km de distance. Khabarovsk se situe à la frontière chinoise. Vladivostok se situe au bord de, c'est un port au bord de la mer du Japon, donc le Japon est à 500 miles marins, c'est-à-dire 980 km quelque chose, mais la Chine est juste à côté, le Corée du Nord est juste à côté, donc quand vous parlez en russe, il ne faut pas trop ni... En politique russe, vous ne pouvez pas entrer dans le conflit ni avec le Corée du Nord, ni avec naturellement l'Iran, naturellement, puisque... Voilà, ce sont les forpostes d'une certaine géopolitique du Kremlin, et pourquoi pas. Voilà, donc c'est un monde assez étrange, assez particulier, qui naturellement haït, et effectivement en Occident, mais ils sont haïs, ça c'est peut-être à cela qu'il faudrait parvenir. Le gouvernement russe et ses représentants, ses têtes pensantes, sont haïs par des Français, dans la mesure où les mêmes Français, donc Français avec beaucoup de guillemets, haïssent le pays réel de la France. Oui, pour les mêmes raisons. Voilà, c'est pour simplifier, c'est le racisme anti-blanc. Qu'un mâle blanc puisse gouverner de façon virile un pays, et en plus qui n'est pas seulement une espèce d'appendice, mais sûr, qui est puissant, énorme. Voilà, et qui revendiquait sa puissance. Avant, on pensait à l'époque du passage donc, de Gorbatchev à Yeltsin que ce serait tout simplement la pompe au pétrole et au gaz. Oui. Non, à une certaine époque, ça s'est terminé. On ne supporte pas ça et on veut exterminer. Merci. On veut exterminer même l'idée de mâle blanc puissant entouré des hommes, non parce que c'est la Russie, pas parce qu'en France et en Occident, en Allemagne un peu plus naturellement, dans le monde germanique on connaît un peu plus le monde slave, parce que c'est le meilleur ennemi, c'est l'ennemi le plus proche, donc comme au Japon, il y a beaucoup de slavistes, parce que de bons slavistes, parce qu'on veut connaître l'ennemi, c'est normal. En France, on méconnaît, comme les communistes à l'époque de l'Union soviétique, allaient tout simplement, je les connais, puisque mon grand-père était un dirigeant soviétique, et je voyais dans le cercle de mes grands-parents tous ces communistes français qui venaient tout simplement de vivre dans les 5 étoiles, métropole Moscou, et un hôtel, donc un palace à l'époque soviétique, qui sont piffrés avec des caviar, et pour la suite repartir souvent avec leur voiture remplie de choses qui coûtaient en roubles soviétiques peut-être 15, 20, 30 fois moins cher qu'ici en France, c'est ça le communisme. En fait, et pour la suite, il venait dans ce bunker à colonel Fabien, il vous parlait du communisme et du socialisme, mais en fait, en plus, c'est du blabla qui n'était pas du tout approprié à la France, parce que il n'y avait pas de prolétariat en France, il y avait que les travailleurs, comme disait un employé de la BNP, n'est-ce pas? Et la classe de prolétariat, en fait, personne ne connaît le marxisme, le léninisme. Donc, en France, il y a une vaste charabia trotskiste, et c'est pour ça qu'on peut aboutir à cette forme de social-marxisme qu'on fabrique actuellement. Mais c'est dû pourquoi? À quelle raison ça est dû? Parce qu'à l'époque, d'avant la chute du mur, on méconnaissait la Russie. C'était seulement une image. Et bien maintenant, vous avez toute une autre branche, ne plus les anciens communistes, ne plus les anciens marxistes qui admirent la Russie, mais il y a tout un autre type de Français
qui admireraient une Russie certaine, oui. mais ils le méconnaissent. D'accord. Alors, bien sûr, je suis suivi essentiellement par des jeunes adultes. Je dirais la moyenne d'âge, c'est 20 à 40 ans. Et beaucoup en France envisagent l'expatriation devant le visage, parce que le visage de la France est en train de changer. Le quotidien devient terrible. Et quand on porte nos idées, c'est extrêmement difficile de vivre heureux et de trouver un travail, etc., d'avoir des relations sociales même. Quel regard est-ce que vous portez sur l'expatriation? Vous êtes vous-même un expatrié, d'une certaine manière, oui, d'une manière certaine même, parce que dans le milieu nationaliste, les gens qui s'expatrient sont assez mal vus. Alors, quel est votre avis là-dessus? Et de votre expérience, vous avez quand même pas mal voyagé, quel est le genre de pays que vous conseilleriez? Bah, je vous conseillerais même de vous adresser, non pas à 20-45, tout comme vous avez dit, mais je vous conseiller la stratégie divisée des plus jeunes. D'accord. 13, 14, 15 ans. D'accord. Voilà. Pour quelle raison? Parce que ce qu'ils vont subir, la véritable jeunesse blanche, il en reste quand même des gens oui. Qui ont le cerveau, mm-hmm. et l'esprit, européen. Et l'âme, malgré le brutissement. Eh bien, vous devriez les viser parce que je me souviens, je parle seulement de l'expérience qui est à moi, propre. Je commençais les dissidences, peut-on dire, à l'âge de 11 ans. Oui. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement l'information. Qu'est-ce que c'est l'information? Bah, cette chaîne YouTube, ça n'existera peut-être pas longtemps. Mm-hmm. Eh bien, il fallait tout simplement écouter les radios qui étaient brouillées par... à la frontière soviétique. Donc, vous devriez transmettre votre information, je pense, à des futures victimes du régime français. Et ça commence de façon beaucoup plus précoce. C'est vrai. Effectivement, vous pouvez vous adresser non même pas à des hommes de 45 ans, mais à des hommes de 55, 60 ans, puisque leur expérience, leur esprit de l'ancienne France, s'ils ont, plus personne ne s'intéresse à ces hommes en France, c'est des déchets. Mais s'ils vont en Europe centrale, s'ils vont en Europe du Nord, parce que, par exemple, c'est vrai que quand je parle de pays baltes, oui. effectivement, si vous parlez à Riga, à Vilnius ou à Tallinn, non, ce sont les pays du Nord. Ils disent que ce sont oui, des oui. pays du Nord. Il ne faut pas leur dire que c'est des Européens de l'Est, ils n'aiment pas voilà. ça du tout. Mais bon, mais ces pays sont ouverts. Vous pouvez vous expatrier et je vous assure que dès l'âge de 12-13 ans, mm-hmm. maintenant, on peut avoir une relation sexuelle à l'âge de 12-13 ans, avec les siens, naturellement, avec son âge, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer votre expatriation. Vous voulez dire que, c'est intéressant ça, vous voulez dire que dans la culture balte, il n'est pas mal vu que des enfants de 13 ou 14 ans aient des relations sexuelles entre eux. Je veux dire que même en France, il n'y a pas de problème. Si un garçon de 13-14 ans couche avec une fille de 13-14 ans, c'est pas un Bien problème. Bien sûr, oui, mais c'est peu commun. En France, on ne voit plus trop ça. En tout cas, oui. non. Bah, personnellement, j'ai vécu ce qu'on appelait la révolution sexuelle en Union soviétique. Oui. C'était le temps de perestroïka. C'était le temps de perestroïka. Donc, j'ai eu 14 ans à cette époque. Et c'était assez courant qu'on se couche entre une fille de notre classe. D'accord. Oui. J'étais étonné que vous abordiez la sexualité. Vous voulez dire que vous avez conscience de la frustration qui peut exister en Europe de l'Ouest avec les relations hommes-femmes ont été blessées. Je pense que lorsqu'on s'ouvre à l'Aphrodite, on s'ouvre également au côté civique. D'accord. Quand on est prêt, pour les Blancs, oui. Quand on est prêt à commettre un acte sexuel, surtout quand on est un garçon, peut-être, on peut déjà projeter notre avenir. D'accord. Pour moi, par exemple, c'était clair dès l'âge de 11, peut-être 12, 13 ans, pour moi, c'était clair le parcours que je vais suivre et je le suis jusqu'au bout. D'accord. Je ne me suis pas détourné du tout et je n'étais pas le seul. Eh bien, vous pouvez, ce qu'il faudrait faire, je pense que l'expatriation pour certains,
si vous ne voulez pas entrer dans la fonction publique en France, si vous ne voulez pas devenir un chômeur professionnel, etc., je pense que vous pouvez vous expatrier. Mm-hmm. Vous vivez en Roumanie, à Bucarest, mm-hmm. mais vous avez tout un axe jusqu'à la mer Baltique où vous pouvez effectivement trouver un pays qui correspond à vos goûts, à votre âme. Mm-hmm. J'enseigne cela ici en Suisse, oui. à des hommes d'affaires suisses qui n'ont pas besoin de ça, mais je présente l'avenir de la France française, de la France blanche, de la Belgique blanche, seulement de cette façon. D'accord. C'est-à-dire, comme disaient des Russes blancs, apporter la Russie sur les semelles de ses chaussures. Il n'y a plus de civilisation en France, quasi, elle se démolit à grands coups de marteau. Il n'y a plus de civilisation française, il n'y a plus de culture française, ce n'est pas la même chose que la civilisation. Il n'y a plus de l'art français, il n'y a même plus de langue française, il n'y a plus de littérature française. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre cela avec vous, oui. et de partir pas très loin. Mmh. Effectivement, puisque vivre, par exemple, à Prague, ou à Riga, à Bucarest, ou à Belgrade, c'est juste à côté. Et en plus, ce qui est intéressant, et là, je vous envoie à l'expérience de juifs mmh. soviétiques devenus un jeu de politique mmh. de la guerre froide, extrêmement puissant, puisqu'il y avait la guerre permanente de ces communautés juives soviétiques qui désiraient de partir de l'Union soviétique. Et c'était l'objet de négociations permanentes. Et par la suite, quand quelques Ashkenazes réussissaient à partir, très rarement vers l'Israël, mais souvent vers l'Amérique du Nord, même vers l'Allemagne fédérale, vers l'Australie, eh bien, ils étaient témoins d'une certaine catastrophe interne à l'Union soviétique qui était cachée. D'accord. Eh bien, et c'est ça qui est le plus important, je ne vous parle pas dans 2 ou 3 ans, mais plutôt dans 15, 20 ans, vous aurez toujours cette tendance moralisatrice de dirigeants français qui vont enseigner aux dirigeants de l'Europe centrale, et peut-être c'est dans ces pays-là qu'il y aura l'enjeu principal de futures guerres froides entre le cosmopolitisme et l'esprit national. Vous, les communautés blanches, je ne parle pas seulement de vous, mmh. Vous, au sens général, vous pouvez créer le centre culture française dans tous ces pays. Par exemple, l'Hongrie, c'est l'exemple parfait pour mm-hmm. l'instant, oui. où il y a une franche opposition entre M. Orban, Viktor Orban, pas Premier ministre roumain, parce qu'il oui, y a le même nom, Premier il ministre, nom, parce ouais, qu'il est de père hongrois et de mère roumaine. Voilà. Et donc, avec les dirigeants dits cosmopolites tels que français, allemands, etc. Mais si cette guerre se multipliera, et si cette guerre se multiplie, vous pouvez, en créant les communautés en oui. Europe centrale, communautés de Français blancs ayant souffert du génocide anti-blanc en France, mmh. avec les documents, parce que ce que je fais, en France, je récupère les documents de désastre universitaire et je les présente ici. Donc, je vous conseille la même chose. Oui. Si vous êtes un homme, voilà, vous apportez tout cela avec vous, toutes ces preuves de maltraitance que vous avez subies en France, et gardez ces documents et installez-vous et occupez-vous dans ces pays de votre vie, tout simplement, gardez c'est ça. Actuellement, il y a beaucoup d'hommes de mâles seuls qui partent et qui retrouvent les femmes locales, oui. Mais je suis sûr que dans 10, 15, 20 ans, les femmes françaises vont partir parce que même si la femme par nature est assez passive, je vous assure que si une femme ou plusieurs femmes vont de plus en plus se faire violer pour des raisons oui, raciales, oui. eh bien, je vous assure qu'elle
aura également le départ des femmes françaises vers l'Europe centrale. Mmh. Et là, au moment des prochaines crises, par exemple, entre le califat français dirigé par des Blancs et, par exemple, l'Hongrie ou la Pologne qui ne voudraient pas accepter la vague de migrants, eh bien, on va lui faire... ce sera une nouvelle guerre froide. Mmh. Qu'est-ce que c'est la guerre froide? C'est l'échange de... on te balance une balle idéologique, voilà, c'est toi qui es moralement bas, eh bien, il y a le retour de ballon. Non, non, c'est toi qui es moralement bas. Eh bien, vos communautés, exactement comme... Moi, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Mmh. Exactement comme les Juifs ashkénazes pendant la guerre froide, vous pouvez devenir l'âme de l'Europe réelle contre les républiques pays légales, la France pays légale, et vous pouvez être une arme redoutable si vous constituez ces pays, ces communautés depuis la mer Noire jusqu'à la mer Baltique. D'accord. Et effectivement, vous pouvez choisir actuellement un pays qui vous plaît. Et en tant que disposant de passeport français, italien, belge, vous pouvez profiter encore pendant quelques années pour aller vous expatrier, parce que je vous assure que ça ne va pas durer. On va interdire le départ de la France. Dès que ça va... voilà, on va interdire les venues de nationalistes vers la France. Je vous envoie au cas de Madame Chablos, me semble-t-il, une Britannique qui a été interdite... de territoire français pendant 40 ans. Hein. Mmh. C'est vraiment l'exodus de Moïse pendant 40 ans. Il faut que l'esprit des Hébreux se renouvelle. Eh bien, le Quai d'Orsay fonctionne de façon tout à fait vétérotestamentaire. Il faudrait le savoir. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va vous amener, on va vous apporter en France les cargos entiers des Congoïdes, des Berbères, des Sémites. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous allez, on va vous interdire de partir, oui. Effectivement. Et par vous dites l'État français ou bien les pays qui s'en protégeront? Je pense que ça va être les deux, mais je pense que tout d'abord, c'est l'État français. Mmh. D'abord, ils vont passer à imposer les Français expatriés, ce qui ne se fait pas encore, oui, pour la France. C'est-à-dire, vous allez bientôt, parce que c'est le désastre, je le vois parfaitement... on va vous obliger d'abord à payer les impôts également pour la France, c'est inévitable, et par la suite, on va vous interdire de partir. Donc, ce à quoi il faudrait vous préparer, c'est qu'à une certaine époque, il faudrait obtenir un second passeport depuis de votre résidence et accepter les déchéances de oui, votre nationalité d'origine. C'est seulement comme ça, c'est seulement ainsi que vous aurez droit à prolongement d'une certaine existence européenne. Oui. Et je suis tout à fait conscient que, par exemple, les pays tels que la Roumanie ou la Bulgarie, c'est un type de fonctionnement. Mm-hmm. La Pologne, ça, et si vous êtes catholique croyant, c'est parfait. Si vous allez, par exemple, dans les républiques baltes, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est encore autre chose. Vous avez encore les possibilités de voyager. Vous pouvez faire les voyages, même en groupe nationaliste, à partir de 13, 14, 15 ans, accompagné d'adultes. Vous pouvez parcourir ces pays et trouver quelque chose. Par exemple, vous m'avez parlé de Lettonie. Mm-hmm. Eh bien, ce n'est pas du tout le même esprit qu'il y a en Roumanie. On n'est pas, oui, trop fier de notre passé. Tout à fait. Voilà, on est assez réservé. Mais, par exemple, Riga, si vous connaissez cette ville, eh bien, chaque année, le 16 mars, vous avez le défilé des vétérans de la Waffen-SS, oui, où, comme en France, il y a les descendants d'une telle malheur. Salué d'ailleurs, je crois, par un ministre ou un député qui a dit que c'était la fierté de la Lettonie. Exactement, oui. C'est un autre monde. Hein. Là, on a... C'est tout à fait un autre. Mais c'est que je pense que pour un blanc qui subit le génocide chez lui en France depuis des décennies ou des années, oui, si c'est un jeune, se retrouver à Riga le jour du 16 mars, ça doit
doit être splendide. Je dirais, il a bouffé de l'oxygène. Oui, je le comprends parfaitement. C'est exactement comme si, par exemple, à Bruxelles, auprès d'une instance européenne, vous aviez eu le défilé des anciens légionnaires de la Waffen-SS Wallonie, c'est la division 28, avec les portraits de Léon Degrel et n'est-ce pas, la Croix de Bourgogne, etc. Oui, bien sûr, c'est quelque chose d'inimaginable dans notre Occident décadent, mais juste à côté, vous allez, vous pouvez parfaitement obtenir cela. D'accord. Alors, j'ai une énorme question pour vous, Dr. Livry. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du monde européen? Je veux dire, personne n'est devin, on n'est pas prophète, mais quand vous voyez la chose froidement, est-ce que vous pensez que nous avons les ressources pour retrouver la maîtrise de notre destin? Je mets tout le monde boréal, je mets la Russie également dedans. Je pars de Lisbonne, je finis à la Russie. Voilà. D'accord. Vraiment très peu d'espoir. Je pense que il faut être très doué, il faut pratiquer l'attaquia à fond. Oui. Il faut vraiment subvertir les subverteurs, si possible. Et il faut être, dans le sens nietzschéen, un bon Européen. C'est-à-dire essayer de sauvegarder pendant les cataclysmes qui s'avancent votre âme, votre culture, votre civilisation, votre verbe, c'est primordial. Oui. Et on ne peut pas en être sûr, on ne peut pas être certain. Vous savez, comme il y a ce proverbe, la plus grande liberté, c'est de faire ce que tu dois. Mmh. Eh bien, c'est de faire son devoir. Eh bien, il faut tout simplement, oui, se consacrer à faire son petit devoir chez soi et n'y pas avoir d'espoir. Je ne crois pas. Il y a de telles tendances, par exemple en Russie, qui visent le morcellement de Russie, qui en parle déjà, et ce sont les anciens généraux des FSB actuellement à la retraite qui publient leur analyse. Vous pouvez en accéder. Eh bien, déjà, il y a le plan de Russie morcelée. Oui, les régions prendraient leur autonomie, donc forcément la Russie perdrait son influence. Oui, ça va être catastrophique, puisque tous ces micro-États éventuellement dotés de l'arme nucléaire, ça peut être n'importe quoi, effectivement. Mmh. Et non, il faut avoir de la vigueur, c'est-à-dire de savoir faire ce qu'on doit, c'est-à-dire vous avez une ligne générale assez obsessionnelle et vous devez le suivre. Et il ne faut pas trop quand avoir vous dites d'espoir. Pas d'espoir, c'est ne pas se reposer sur l'espoir comme si tout à coup un miracle allait arriver. Il faut travailler, faire son devoir sans attendre quoi que ce soit. On n'aura pas forcément de cadeau. Il faut se battre pour représenter les Européens que nous sommes. Oui, et je ne pense même pas que pendant mon existence, je verrai ce qui pourrait être mon rêve, à savoir la civilisation blanche qui reconquiert sa puissance bien spirituelle, sûr. Culturelle. Non, je ne pense pas. Mais je travaille, non parce que je ne crois pas, je pense que j'adhère à une idée mythique. Non, tout simplement, j'ai parcouru tellement l'univers et je sais que c'est la plus haute civilisation. Et je pourrais, pourquoi ne pas accepter le cosmopolitisme, le globalisme, etc. Mais tout simplement, s'il précisément, produisait des résultats exactement, supérieurs, bien sûr. Ouais. Mais à chaque fois où ça arrive, on aboutit à un désastre, à des authentiques génocides des êtres les plus élevés et les plus refusés. Et effectivement, comme après la révolution dite française, c'est l'ordure la plus immonde qui prend le pouvoir et continue à massacrer. Par la suite, elle s'arrête. Par la suite, et c'est l'époque, c'est le massacre perpétuel. Et effectivement, on ne peut pas le prendre de face. Vous savez, vous pouvez peut-être rêver que votre œuvre va ressurgir au bout de quelques décennies, au bout de quelques siècles, etc. Oui. Mmh.
Soyez, ne prenez pas de face vos ennemis, ça c'est très important. Si vous devez partir, vous pouvez partir, vous savez, malgré ce que racontent des imbéciles, le cosmopolitisme, ce n'est pas du tout l'œuvre de Diogène le cynique, non, oui. C'est les grands philosophes, tout d'abord Anaxagore, qui avait enseigné que, effectivement, on communique avec le ciel et peu importe si actuellement on ne peut pas s'occuper de sa cité lorsque son élève prononçait le discours funèbre que rapporte Thucydide, eh bien il avait dit, nous les Athéniens nous avons porté notre puissance au-delà des mers et on l'avait fait avec, Thucydide utilise le terme ratoumia, c'est une légèreté heureuse partout. Et effectivement, chez le même Thucydide, qui est né plusieurs décennies, bien avant Diogène le Cynique, eh bien, toute la terre est la patrie des hommes illustres. Et lorsqu'on dit des hommes illustres, c'est effectivement le terme qu'on retrouve chez Diogène Laërce, donc 3e siècle de notre ère. Eh bien, c'est les hommes de bonne race, c'est les hommes. Le monde hellénique est extrêmement raciste. On s'attache énormément à notre pureté ethnique, à notre race. Et je pense que les lectures, vous devriez, je pense, apprendre des langues anciennes, c'est extrêmement important. Et vous devez pratiquer les lectures littérales et vous devez réappréhender naturellement vos mythes anciens. Vous devez dire non, stop à tout ce qu'on vous apporte. Et si cela est nécessaire, vous devez pratiquer la taquilla, c'est-à-dire accepter parfois, puisque je vous rappelle que les dieux ariens, purement ariens, tels que Dionysos, pratiquent la taquilla, que vous savez que... C'est-à-dire le mensonge utile. Oui, les subversions, les dissimulations. Lorsque Dionysos de Répide revient dans sa ville de première naissance qui est Thèbes, il lui dit « me voici de nouveau dans ma ville, dans la terre où est né, donc, où est donc ma mère s'est mêlée, fils de fille de Cadmos se fait foudroyer. » Si je peux vous le citer en version originale. Ecco Dionysos, paes dies tendete baen, chtone Dionysos, on ticte potecad mo core semelo lechoetes astrepoforo puri. Donc, je suis là, et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dissimule, je modifie ma face et j'expurge ma parcelle divine. Vous savez, comme lorsqu'on devient, s'inspire de Dieu, on accepte en nous les divinités entées, donc c'est ce qui vient, oui. Enthousiasme, le français vient de là, et il expurge ukteo, sa parcelle divine, et il glisse dans cette société tenue par un intellectuel aveugle, Thérésias, par son grand-papa Cadmos Sémite, puisque phénicien, par le grand intellectuel Panthée qui fait les discours là, et il dit effectivement, le dieu même, le dieu arien qui est Dionysos, il pratique la taquilla pour effectivement accomplir une révolution. Une contre-révolution bachique au sein de sa cité natale. Pour cela, il faut partir et il faut revenir. Il dit littéralement « morphon dam ipsas ucteo bratesian parem dirkis namat ismino tudor ». Donc, bientôt les gens comme moi qui peuvent citer les tragédies grecques à propos seront non seulement expurgés de l'université française, mais exterminés physiquement. C'est ce qui est normal, ce qui est logique. Mais vous devez, à l'instar de vos dieux ancestraux,
pratiquer cette forme de subversion, pratiquer ces allers-retours qui vous donneront la puissance à chaque fois que vous revenez chez vous. Je vous remercie, Dr Livret, pour la qualité de cet entretien. Je pense qu'on a fait vraiment une très bonne émission. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Vive l'Europe. À très bientôt, les amis. Au revoir.